Salut, c'est David, c'est David, c'est David, c'est David, je fais, je fais une spéciale bafouillage en début de, de vidéo en ce moment. Salut, c'est David de Gamecoder, je suis un peu dans le délire de la secte en ce moment, on m'a traité souvent de gourou de secte, euh, donc du coup, comme en ce moment il y a une jam, et que j'ai envie de vous motiver à y participer, et peu importe si vous y participez pas, je... si vous y participez... Putain, mais pourquoi je fais que bafouiller Peu importe si vous y participez pas... Euh, moi ce que j'ai envie c'est de vous motiver à programmer alors du coup il euh, y a les intello euh, dans la programmation il y a ceux qui utilisent des concepts hyper avancés il y a ceux qui sont des méga programmeurs et puis il tous les autres qui vont pas se lancer dans la programmation parce qu'ils vont se dire bah regarde ces mecs ils sont super bons et moi je suis une grosse merde donc je ne me mettrai pas à programmer euh, j'y comprends rien euh, j'arrive pas à atteindre ce niveau faut arrêter de vouloir atteindre des niveaux de malade en programmation et il faut d'abord commencer petit parce que ces mecs là euh, qui euh, maintenant utilisent des Systèmes, entités, composants euh, développent leur propre moteur, euh, ont euh, des euh, patterns de programmation avancés, sont capables de coder très vite. Ils ont commencé petit euh, comme vous, vous allez commencer petit et j'espère grâce à moi et moi. J'ai toujours euh, souhaité garder cet esprit euh, de, du débutant et de continuer à euh, travailler avec euh, l'esprit du débutant, avec l'état d'esprit du débutant, euh, tout en ayant euh, une capacité à programmer très vite, à faire un code très propre, à faire un code optimisé, à faire un code fiable. Mais mon code... Il n'est pas compliqué. Et si j'ai envie de faire du code compliqué, parce que je travaille en équipe, hein, j'ai bossé, j'ai eu 10 ans à un studio de jeux vidéo, et si on avait envie de monter des architectures complexes, parce qu'on allait travailler à 15 dessus, on montait des architectures complexes parce qu'on en avait besoin. Mais quand on n'en a pas besoin et qu'on a envie de faire des jeux 1 on peut créer des jeux 1 avec des méthodes simples, avec des architectures simples, avec des langages simples, avec des moteurs simples, sans euh, se palucher euh, devant des trucs compliqués. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Donc il y a une Game Jam euh, cette semaine, c'est la Jam 34, et on va en parler euh, je vous invite à coder un grand classique du jeu vidéo et c'est le meilleur moyen de commencer euh, c'est de coder des grands classiques de l'arcade et on travaille sur un, un concept qui est celui de Lord runner donc si vous connaissez pas Loadrunner euh, je vais vous remontrer ça j'ai fait déjà des vidéos dessus c'est un concept de jeu qui vous permet de pratiquer si vous faites la jam avec moi euh, de pratiquer des concepts de programmation euh, fondamentaux euh, relativement simple et quand même avec des trucs un peu complexes qui donc vont vous ouvrir un peu la vous ouvrir la tête un petit peu et vous euh, permettre de, de faire des trucs un peu sympas euh, c'est-à-dire que le principe de, de, pour progresser, c'est de se challenger, c'est-à-dire d'être toujours à la limite supérieure de ce qu'on est capable de faire. Si vous faites ce qui est en dessous de votre capacité, vous n'allez rien apprendre. Si vous faites juste ce que vous savez faire, vous allez vous emmerder et si vous faites juste au-dessus, vous allez progresser et si vous faites trop au-dessus, vous allez vous décourager. Donc voilà, il faut trouver ce, ce juste équilibre légèrement au-dessus de votre capacité de manière à… Ben, ben, je vous donne l'exemple le, le, de, de, de porter du poids, ben, vous allez porter du poids légèrement au-dessus de ce que vous êtes capable de porter vous n'allez pas d'un seul coup alors vous faites par exemple je sais pas moi vous levez des haltères de 10 kg vous n'allez pas d'un seul coup faire 20 kg vous allez d'abord faire 11 ou 12 kg pour pouvoir être légèrement au-dessus et c'est là que votre muscle va progresser et c'est pareil pour la tête alors les préceptes et après je vous montre un peu la jam et je vous montre tout ce que vous avez à disposition vous avez aucune excuse pour pas euh, démarrer à la jam avec moi la jam load runner euh, et puis je vais vous remontrer moi ce que j'ai fait et euh, bah, si je suis capable de le faire en 3 heures, vous êtes capable de le faire en 15 jours. Hein euh, on est d'accord. Hein en plus, je vous montre comment faire. Donc. Les préceptes Gamecoder de la secte Gamecoder. Alors attention, il y a plein de gros mots. Euh, donc, euh, ranger les enfants. Premier précepte les moteurs. On s'en branle, donc les moteurs c'est pas une fin en soi, donc nous on aime le pure code avant tout parce que c'est le kiff total et notamment pour participer à des jams, pour travailler sur des délais très très courts, travailler sans moteur c'est ce qui permet d'aller le plus vite possible, avec un moteur on peut faire des projets plus ambitieux mais on a une courbe euh, de progression qui est plus lente au début, donc en travaillant avec du pure code vous allez à travailler beaucoup plus vite, mais pour travailler du pure code il faut savoir programmer, il faut être un putain de programmeur et c'est ça que je vous apprends, si vous voulez pas apprendre à programmer, vous avez un bouton là en haut à droite qui, qui est sous forme de petite croix, vous cliquez dessus et... Vous euh, quittez cette chaîne parce que moi, euh, je vous apprends à programmer avant tout. Et euh, nous, on kiffe la programmation. Voilà, on n'aime pas le no code, euh, on déteste. Euh, voilà. Et euh, nous, on code. On va reparler d'ailleurs dans les autres préceptes. Mais on sait également travailler avec des moteurs. On est capable de développer des jeux avec Unity. On est capable d'apprendre Unreal. On est capable d'utiliser des moteurs évolués, des moteurs 2D, 3D. Mais euh, nous, avec un moteur 2D et deux-trois fonctions, on est capable de faire des jeux. Ça, c'est euh, le premier précepte. Deuxième précepte. Codeur, le langage, on s'en bat les couilles, ça vous connaissez ce précepte, je le répète depuis longtemps. On sait coder avec tout ce qui nous passe sous la main, on n'est pas en train euh, de faire la fine bouche en disant ce langage il est pas typé, euh, je, moi je n'aime pas du tout euh, l'UA, euh, ça fait du code pas propre et tout. On fait du code propre avec n'importe quel langage, on fait du Python, on fait du Java, on fait du JavaScript, on fait du Lua, on fait du C, on fait du C, on fait du C, Sharp, on fait avec tous les langages qui nous passent sous la main. À partir du moment où il y a if, zen, des boucles, une structure euh, ou euh, une, une ou de la PO, on est capable de construire des jeux et ça, c'est la liberté. Total. Donc du coup, ben, si vous avez un Raspberry Pi qui vous passe sous la main, vous allez faire un jeu en C avec la SDL. Si vous avez euh, Unity, vous allez faire un jeu avec Unity en C Sharp. Si vous avez envie d'expérimenter de, euh, un nouveau moteur, parce qu'un mec a fait un nouveau moteur qui a l'air super cool, euh, vous allez utiliser son nouveau moteur. S'il y a un nouveau langage dedans, vous faites du Game Maker, GML, alors rien à foutre, GML, allez en 10 minutes, un quart d'heure, j'ai compris les bases de GML. Et ensuite, je me mets à faire des jeux avec Game Maker. Ça, c'est le deuxième précepte de Game Coder et j'ai oublié de vous faire la petite musique. Euh, du deuxième précepte de Gamecoder. Troisième précepte. On sait coder comme des vikings, comme le faisaient nos ancêtres, les codeurs des années 80. Nous, on a juste besoin d'un éditeur de code, euh, même si c'est Notepad, et on fait euh, des jeux avec ça. On, on est capable de créer des jeux avec juste euh, un petit framework ou une librairie graphique, parce qu'on sait créer notre propre game loop, on sait euh, construire des patterns euh, de programmation pour construire un jeu vidéo. À partir simplement de ce que vous nous fournit de langage, on a juste besoin de pouvoir afficher une image. À la limite, vous nous donnez un framework ou une librairie graphique capable d'afficher une image, euh, on est capable de construire un jeu vidéo avec ça euh, si en plus on peut euh, avoir des fonctionnalités supplémentaires euh, on ira encore plus loin mais on a besoin vraiment de rien et c'est l'esprit euh, des gens des années 80 qui construisaient des jeux et moi c'est des gens que je respecte euh, bah, énormément c'est des jeux qui des gens qui ont ce jeu avec rien avec des machines qui avaient euh, euh, 2 2 mégahertz euh, et euh, des langages de programmation euh, super lents euh, et euh, de, de Coder, c'était coder, l'enfer. Pour créer les graphismes et les importer, c'était l'enfer. Et les mecs, ils, ils faisaient des jeux en un week-end. Il euh, y a des jeux qui sortaient à l'époque, qui s'étaient codés en un week-end ou en une semaine, alors qu'il y avait de l'assembleur dedans, euh, voire c'était du pur assembleur, et que le mec, il ne codait même pas sur la machine de destination. Il devait brancher un câble sur une autre machine, compiler sur une machine, compiler sur une machine envoyer le code, compilé sur l'autre. Ça, c'était des programmeurs. Nous, on est vraiment des gnognottes à côté. On est vraiment euh, des, euh, des, des, des nuls. Des, on est vraiment des nuls. Donc, on n'a pas à se plaindre. On a des outils aujourd'hui qui nous permettent de coder euh, en tapant euh, trois lignes de code on fait ce que eux ils faisaient avec 50 100 lignes de, de code donc du coup euh, voilà on n'a pas du tout de quoi se plaindre mais on respecte et on utilise euh, leur méthode et on utilise leur euh, état d'esprit state of the art l'état de l'art de la programmation c'est de coder comme les vikings quatrième précepte. On ne se prend pas la tête avec des méthodes d'intello. Je vous le disais tout à l'heure, euh, nous, on code d'abord avec des structures de base. Euh, on sait euh, rendre notre code le plus modulaire possible ou pas. On est même capable de faire un jeu en monolithique, euh, tout dans un seul fichier. Ou alors, on fait des modules, ou alors, on fait des objets. On utilise l'injection de dépendance et services locator. On a des concepts euh, universels pour construire notre jeu et pouvoir échanger les données entre les différents composants de notre jeu. Et on n'a pas besoin de monter des usines à gaz. On peut pas partir de zéro et c'est ce que je vous ai prouvé euh, il y a avant-hier en codant un jeu en trois heures et le jeu il est quasiment terminé et, euh, et euh, il y a un, un, un gameplay euh, quasi complet euh, dans, dans ce jeu en trois heures en partant euh, de zéro euh, et donc cette jam on en reparle la jam c'est la jam chut, hop la jam 34 donc euh, voilà vous y allez vous y inscrire vous allez rejoindre ce site et vous allez cliquer sur euh, ici là je vous, je vous le fais comme si je n'avais pas participé. Vous avez un bouton join. Vous allez cliquer sur join et vous allez euh, suivre euh, l'aide que je vous ai euh, fournie pour participer à jam. Il suffit d'être membre de mon école. Vous allez, euh, c'est 19 euros hein, pour faire partie de mon école. Vous vous rendez sur mon site gamecoder.fr, vous adhérez et vous euh, démarrez cette jam et vous allez créer votre premier jeu dans les 15 premiers jours. Euh, je vous aide. Alors qu'est-ce que je vous fournis comme aide Tac, on y va. Euh, je vous fournis euh, déjà euh, tous les ateliers de Gamecoder. Donc, vous avez euh, 80 ateliers de formation que vous vouliez faire du euh, du 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 c sharp euh, du javascript vous avez euh, dans le langage lua puisque c'est un langage de script tous les fondamentaux de la programmation du vidéo que vous pouvez ensuite transposer dans tous les autres langages ensuite je vous apprends à maîtriser le c sharp en pur code sans utiliser unity ensuite euh, javascript html5 vous pouvez même faire du c vous pouvez même faire de la programmation réseau vous avez unity qui s'est pas mal étoffé maintenant avec vraiment tous les fondamentaux de la programmation 2d et 3d en unity vous pouvez même faire du axe du axe pixel vous avez tout ce qui faut et sinon bah, vous faites tout simplement les bases vous suivez dans l'ordre et vous allez apprendre à programmer d'ici quelques jours vous aurez les bases de programmation j'ai également fait des guides euh, de programmation et si vous êtes membre euh, premium bah vous avez vous cliquez sur version premium vous avez accès à ces guides des guides pour, pour coder des jeux de puzzle tour par tour euh, monter des systèmes des architectures de code justement on en parlait des jeux d'aventure des jeux de baston euh, metroid jeux de combat en top view euh, pass finding collision etc donc vous pouvez aller piocher là dedans pour trouver des idées de gameplay euh, et euh, vous inspirer euh, de ces connaissances-là, utiliser ces compétences-là euh, pour créer votre euh, jeu euh, vidéo inspiré de l'Old Runner. Ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Ici, euh, les euh, DLC, c'est un magazine que je fais toutes les semaines. Il y a un épisode toutes les semaines. Pendant une heure, je fais un cours de programmation euh, et euh, j'essaye d'être le plus orienté débutant possible. Il y a quelques cours avancés, mais pas beaucoup. Euh, vous avez euh, trois saisons. Vous pouvez euh, acheter d'ailleurs les trois saisons. Alors, si vous voulez, en les, en les téléchargeant. Et si vous êtes membre de Gamecoder, vous avez accès à tous les replays. Vous avez un sommaire et il y a vraiment de tout euh, pour aller euh, piocher dedans. Et il y a des trucs euh, tout, tout, euh, super simples. Par exemple, euh, le DLC 64, on avait fait un mini-jeu ultra simple. Euh, pour débutant, donc vraiment euh, en moins d'une heure, en une demi-heure, vous avez posé les bases d'un jeu et ça peut déjà vous aider à démarrer. Vous voulez faire un scrolling, vous avez ici un, 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 un cours pour coder une caméra avec une ligne de code. Euh, vous voulez faire un inventaire, vous voulez gérer une barre, coder une barre de progression, euh, vous ne comprenez pas ce que c'est que le Delta Time. Euh, vous voulez faire euh, des, euh, des étapes ou euh, des différents écrans, vous pouvez utiliser ça. Euh, vous voulez faire euh, des courbes, vous pouvez apprendre à faire des courbes de Bézier. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de choses. Euh, j'ai même, commencé à, un peu plus d'écrire le contenu à partir de la troisième saison. Euh, voilà le cycle de jeu, gameplay, game over, victoire. Il y a vraiment de tout. Euh, C'est une mine d'or euh, pour que vous puissiez apprendre à euh, programmer et tout ça pour vous faire euh, participer à cette euh, game jam. Et moi, j'ai, euh, je vous montre ici là, j'ai codé. Euh, euh, hop, je sais pas pourquoi j'ai une vidéo qui démarre. j'essaye de, de trouver où elle est. Elle est ici. Euh, euh, j'ai tic tic tic, c'est euh, ça que je cherche en fait, je pense que c'est ça que pour ça je me disais, pourquoi il y a un onglet avec des trucs, voilà. J'ai aussi un making of, euh, où vous avez accès au code source, ici vous avez le code source que vous pouvez télécharger, et c'est euh, donc, je vous le montre en accéléré euh, un petit peu ici, je code en euh, 2h30 à peu près, puisqu'il y a ces 3h de vidéo, mais j'ai pas mal discuté. Euh, les bases euh, d'un load runner donc qui ressemble à ça oh, je vous le montre rapidement hop on peut se déplacer on peut ramasser on peut creuser à sa gauche on peut creuser à sa droite les trous se reconstituent quand euh, ils ont ils sont arrivés au bout on peut euh, les monstres nous euh, essayent de, de nous attaquer euh, ils tombent dans les trous si jamais on fait des trous, hop, il tombe à l'intérieur des trous. Chut. Hop, du coup, on peut se barrer. On peut s'accrocher au câble. On peut monter et descendre des échelles. On peut ramasser toutes les, euh, tous les éléments du jeu pour pouvoir ensuite se barrer. Et pour, pour se barrer, ben, il manque l'échelle. De... Donc, c'est comme dans le gameplay original il manque l'échelle de départ. On monte l'échelle. Et on passe au niveau suivant, pour l'instant il n'y a qu'un seul niveau, euh, mais il ne faut pas non plus trop vouloir en 3 heures, c'est déjà bien euh, d'avoir réalisé tout ça. Donc vous voyez, on, voilà, il y a 300, quelques lignes de code. Euh, combien il y a de lignes de code, on peut le regarder. 376 lignes de code. Et euh, je suis parti de zéro, j'avais juste créé euh, les petits graphes qui sont là. Euh, avant de commencer, pour pas, parce que ce n'est pas de la programmation et que je voulais qu'il n'y ait que de la programmation. Donc, du coup, voilà, vous n'avez aucune excuse pour ne pas participer à cette jam. Si vous n'avez pas envie d'y participer, j'espère quand même que vous avez pris du plaisir à découvrir les grands préceptes de la secte GameCoder et que vous avez envie euh, de m'y rejoindre. Donc, si vous avez envie d'en faire partie, c'est en dessous de cette vidéo, 19 euros vous pouvez euh, déjà euh, commencer à apprendre la programmation de jeux vidéo. Et puis au moins, vous allez faire quelque chose d'utile. Peut-être euh, réaliser votre rêve de programmeur de jeux vidéo. Euh, Abonnez-vous à cette chaîne. Mettez-moi mettez -moi des pouces. Euh, activez la notification. Cette chaîne mérite beaucoup plus que 15 000 abonnés. Euh, et euh, j'espère que vous allez parler et que vous allez faire du porte-à-porte. -porte. Vous allez faire comme euh, dans certaines religions. Vous allez, euh, une fois par semaine, aller toquer aux portes et dire bonjour, je viens vous parler de GameCoder Et ça, ça m'aiderait beaucoup. Euh, voilà, merci beaucoup, n'importe quoi, croyez en vous, bon code, salut